Kilometers I started back. Fait quelque chose d'aussi dur là, toute ma vie, Mathieu. Oh, c'était vraiment difficile. Je pense pas que je vais recommencer. Je m'appelle Sylvain Gagnon. Je suis chirurgien orthopédiste à l'hôpital Sacré-Cœur depuis 25 ans, l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal et aussi à l'hôpital de Saint-Eustache. Depuis 4 ans, bien, j'ai dû arrêter pas mal ma pratique pour me concentrer sur le traitement de ma maladie. Ma fille m'a fait remarquer que j'avais un grain de beauté sur le thorax, juste en dessous de la clavicule. Elle me dit « Ah, c'est noir, il me semble que tu devrais faire enlever ça. » En dedans d'un mois, je l'ai fait enlever. Ça a pris 2-3 mois que je reçois le diagnostic que c'était malin. Alors, on a fait faire des examens, des ganglions, une petite chirurgie pour voir qu'il y avait effectivement des cellules qui étaient rendues dans les ganglions. Fait qu'on a enclenché le processus de traitement d'un cancer, un mélanome métastatique à ce moment-là. Le docteur, lui, il est habitué d'être en contrôle, puis de tout vérifier, puis tout ce que tout soit parfait. Et là, c'est comme si tu perds le contrôle. Et Sylvain, là-dedans, ben il se dit, ben ça devrait bien aller. Il faut que ça aille bien. C'est impossible que ça finisse comme ça. Puis on s'accroche aux bonnes nouvelles quand il y en a. Puis on se dit, on va essayer de tout faire pour que ça continue le plus longtemps possible. Se diriger vers les saines habitudes qui vont tout simplement stimuler mon immunité. Parce que la guérison, il semble qu'elle est en dedans de moi. Dans ce type de cancer-là, c'est vraiment nous qui pouvons se défendre contre ça. Une fois qu'on l'a, c'est un cancer qui n'avait pas de traitement jusqu'à il n'y a pas longtemps. Jusqu'à il y a 5 ans, il n'y avait pas grand traitement. La chimiothérapie, ça ne fonctionne pas. Alors, le seul traitement, c'était d'enlever les lésions quand ils apparaissaient. Puis quand c'est rendu métastatique, moi, en un an, j'avais des poumons, des intestins, glandes surrénales, je n'ai eu au cerveau. Puis là, quand ça prend le cerveau, t'es plus traitable dans les yeux de bien des gens. C'est des cellules qui prennent la place, fait qu'ils prennent la place de d'autres bonnes cellules. Quand ça prend le cerveau, bien, ça prend de la place dans le cerveau. Quand ça prend le foie, ça détruit comme ça, par l'ampleur de la masse. Puis là, il y a un médicament qui s'appelait le MK-3475 qui n'était pas sur le marché il y a 2 ans. Il m'a été offert par la compagnie comme c'est un traitement qui existe, qui devrait être accepté éventuellement par Santé Canada. Et depuis 2 ans que je reçois ce traitement-là, j'ai aucune nouvelle métastase qui est apparue. C'est comme si ça l'a arrêté complètement. On vérifie à toutes les 3 mois avec scan, résonance magnétique, puis il n'y a rien qui est visible actuellement. Je ne sais pas que guérison, rémission, loin de là, c'est en traitement encore, mais disons que comme il n'y a rien de visible, ben, ça me donne un sourcil. Là. Je commence à penser à quelques mois à l'avance, là, disons 12 mois, dire ben, si ça fait déjà 1 an que je n'ai rien eu, même si ça apparaissait maintenant, avant que ça donne des problèmes, ça peut prendre encore 1 an. Si on dit en anglais « fight back », c'est de combattre, c'est de dire « non, tu ne m'auras pas, je vais essayer de tout faire pour que ça n'arrive pas. Et à ce moment-là, pour moi, ça a passé par l'entraînement physique en me disant si j'ai besoin d'une défense, c'est de la masse musculaire, c'est d'être en forme pour passer tout au travers de tous les traitements. Et avec la mise en forme, ben, ça va, t'sais, le sommeil qui est meilleur, la nourriture qui est de meilleure qualité et c'est tous les ingrédients qu'il faut pour être capable de se défendre. J'ai jamais fait du sport de compétition ou de l'entraînement, à part du sport de loisir. Puis pour moi, un marathonien, c'était une classe à part. Puis une fois qu'on a commencé à faire juste un petit peu de marche, puis pour moi, la marche, c'était une chose, mais c'est la démarche qui était plus importante. Puis courir le chemin, c'était le cheminement, c'est comme une motivation, c'est une méditation presque. Puis la course, vraiment, ça donne de l'énergie progressivement, ce qui fait que je me suis rendu à demi-marathon. Puis je commençais par un 5, un 10, un 20, puis après ça, bon, j'essaie le marathon. C'est sûr que ça demande beaucoup de temps, puis j'ai plus le temps pour m'entraîner. Je me suis mis à faire des événements pour ramasser de l'argent pour le cancer à vélo, que je n'avais jamais fait avant. Fait que la première année, je me suis dit, bon, ben là, pour me remise en forme, on va faire du vélo, la course. Puis la journée du Ironman,
pas l'été dernier, l'autre été d'avant. Je vois ça aux nouvelles, les gens qui arrivent jusqu'à minuit le soir. You're an Iron Man, tu sais, c'est comme. Je dis, mon Dieu, c'est gros, ça n'a pas de bon sens. C'est autant d'heures puis de kilométrage, 180 km de vélo, 4,9 km de. 3,9 km de nage et un marathon ensuite de ça. Je dis, ça n'a pas de bon sens. Jamais je ne serais capable de faire ça. Fait que la moitié de ça, c'est vraiment l'effort mental. De dire, un, je donne mon temps pour m'entraîner, puis après ça, c'est le physique suit. Là. Mais il faut vraiment être capable d'endurer la douleur. Mais quand j'ai de la douleur comme ça, soit dans l'entraînement ou dans l'événement, c'est un peu plaisir. C'est moins dur. L'entraînement est plus difficile, mais moi, je pense toujours à ceux qui ne peuvent pas courir parce qu'ils sont en chimio, puis ça les affecte beaucoup plus, tu sais, qui ont perdu la capacité, que la maladie les a affectés. Il y en a tellement, là. Je me dis, regarde, je le fais pour eux autres. Si eux autres ne peuvent pas, moi je peux, mais pourquoi je me plaindrais? Je ne peux pas me plaindre, je suis juste content d'être capable de le faire. Tu sais, le marathon d'Ottawa, le grand défi Pierre Lavoie, il y a 1000 km de vélo. Après ça, j'ai fait le demi-Ironman, le Ironman, puis le demi-marathon de Montréal. Je me suis inscrit là. Fait que c'est je dirais que c'est pas tant que ça, parce qu'une fois que tu as fait l'entraînement d'un, puis j'ai refait celui d'Oka aussi, mais celui-là était un peu plus tard dans l'année. J'ai fait un demi-marathon d'Oka. Là, je m'en tiens au demi-marathon. J'avais 10 % de survie à un an quand on m'a annoncé la nouvelle. C'était moins de 1 % à deux ans, puis il n'y avait pas de traitement à ce moment-là. Mais depuis qu'il y a des traitements, c'est sûr que ça a fait changer toutes les statistiques. D'ailleurs, on ne les connaît pas vraiment, les statistiques. Ils ont changé un peu, c'est rendu un stade 4 comme le mien est rendu à 15 % de survie à 5 ans, mais il y a toujours quelque chose à chercher de positif avec le négatif. De mon côté, même si j'ai tout arrêté ma profession, puis si on pourrait dire que c'est une catastrophe, mais ben non, je pense que j'ai réussi à trouver d'autres passions, à passer ça à ma famille, à montrer qu'il y avait une vie à faire avec ça. Puis à chaque fois que je rencontre des gens dans la même situation, c'est d'essayer de les aider de la même façon. C'est de dire, regarde, il y a quand même un bon côté. Tu sais, on va tous mourir un jour ou l'autre. Fait que c'est pas ça qui est une fin inacceptable. C'est la façon qu'on peut le faire. Puis essayer de tirer le bon côté de notre handicap, d'être serein, puis de dire, qu'est-ce qu'on peut profiter d'autres dans la vie que de faire des Ironman. C'est clair qu'il y a d'autres choses.